J'ai été faire la cuisine et je me suis effondrée. Là, je suis allée à l'hôpital. Et on t'a diagnostiqué une maladie qui s'appelle myélite transverse aiguë. Donc, on a passé un mois en réanimation, puis ensuite 6 mois hospitalisés en service MPR au CHU de Grenoble. La myélite est une maladie auto-immune. Les anticorps attaquent la moelle et ont été responsables de la paraplégie de l'ENA. Ce qui nous a été recommandé, c'est d'intensifier la rééducation. On nous a préconisé un protocole qui se fait notamment sur des tapis de marche avec harnais, couplé à de l'électrostimulation. Le premier progrès qu'on a remarqué, c'est des contractions involontaires au niveau des releveurs du pied. Nous, on a ressenti ça. Donc c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que ce qu'on faisait, c'était pas pour rien. On a vu des améliorations au niveau des appuis du pied, un petit peu plus de kilos de force. On a eu aussi des longueurs de pas qui se sont allongées. Alors vraiment, c'était assez saccadé, des petits pas. Et puis sur la durée, sur la vitesse de marche, on a vu aussi des augmentations là-dessus. Au début, je faisais 22 pas dans la séance et je faisais à 0,5 km/h. Alors que là, je fais à 1 km/h et j'ai fait 3000 pas. C'est un très bon système, très convivial, très motivant pour notamment pour Léna qui est jeune, 11 ans. Les jeux, côté ludique. Léna, en fait, était très réfractaire à quitter son collège, qui est adapté, dans lequel ça se passe très bien. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de solution dans le centre de rééducation pédiatrique. Si on n'avait pas eu la possibilité d'avoir EasyGain et la HAD, il aurait fallu quitter Grenoble et donc déscolariser Léna. Et on sait tous que de faire de la rééducation à domicile, ça aide au niveau du moral, de la motivation. Il y a tous ses proches qui l'aident, qui l'encouragent. Ça apporte beaucoup de sérénité à Léna de le faire à la maison, moins de fatigue, moins de transport. Surtout qu'elle venait déjà de faire de nombreux mois d'hôpital. J'ai pu les former, maintenant ils sont vraiment autonomes avec la machine. Et tous les jours, Léna fait des progrès et c'est vraiment très bien.